Bienvenue sur la chaîne Coin Atlantis, la chaîne des pièces anciennes et rares. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche d'abonnement jusqu'à ce que vous receviez toutes les nouveautés sur notre chaîne. Valeur du trimestre 2000, combien vaut-il aujourd'hui en 2024? Le trimestre 2000 est assez intéressant car il a été frappé en une vingtaine de variantes. Il est facile de se perdre et de ne pas connaître la valeur de votre pièce de 2000, surtout lorsque vous ne savez même pas où elle a été frappée ou s'il s'agit d'une pièce ordinaire ou non. Cette vidéo est un examen détaillé de tout ce que vous devez savoir sur le trimestre 2000 et comment déterminer sa valeur, au cas où vous en rencontreriez un. Détail du trimestre 2000. En termes de conception, le quart 2000 n'était pas tellement différent des autres quarts de Washington. Bien que quelques modifications aient été apportées par Williams Cousin au côté observation de la pièce, celle-ci conservait toujours le profil orienté vers la gauche conçu par John Flanagan. En termes de poids, le quart 2000 pèse 5,67 grammes et est composé de 75% de cuivre et de 25% de nickel sur la couche externe. Le centre du quart 2000 est en cuivre pur, même s'il présente à première vue un aspect argenté. Cette pièce a été appelée « Johnson Sandwich » et ce nom a été utilisé en 1965 lorsque la monnaie américaine a arrêté la production de pièces en argent, afin de lutter contre la pénurie de pièces de monnaie en circulation. 2000 valeurs du trimestre P. La monnaie de Philadelphie a produit pièces 2000 de monnaie dans 5 états différents et, contrairement aux pièces habituellement frappées à Philadelphie, les 5 variantes portent la marque d'atelier P. Les quartiers 2000 ont été frappés dans le Maryland, le New Hampshire, la Virginie, la Caroline du Sud et le Massachusetts. Au total, 556 532 000 pièces de monnaie ont été frappées dans le Maryland à la monnaie de Philadelphie. En parfait état, cette pièce peut valoir 95 $, mais on ne peut pas en dire autant de la version en circulation. La seule façon d'obtenir une valeur raisonnable du trimestre 2000 P Maryland est lorsqu'il est dans un état non circulé. En état de circulation, cette pièce ne vaut que 3 $, juste un peu au-dessus de sa valeur nominale. Lors d'héritage auction en 2005, le MS65 trimestriel 2000 P Maryland classé a été vendu pour 1 495 $. Dans le New Hampshire, à la monnaie de Philadelphie, 673 040 000 pièces ont été frappées, et la valeur de ces pièces dans l'état en circulation est de 3 à 4 $. Ce quartier a été mis en circulation en août 2000 et a été étiqueté comme le 9e modèle publié dans le programme des quartiers des États. Ces pièces étaient frappées en grande quantité, ils sont donc classés comme courants, et vous pourriez même avoir du mal à en trouver un en parfait état. Un MS64 2000 P New Hampshire trimestriel a été vendu pour 2 128 $ en 2014. Le trimestre 2000 P de Caroline du Sud vaut 5 $ en état de circulation. 742 576 000 exemplaires de ces quartiers ont été frappés à la monnaie de Philadelphie, et pour trouver cette pièce en parfait état, vous devez effectuer une recherche dans les rouleaux de banque ou les ensembles d'ateliers. Il sera assez rare d'en trouver au grade MS68, puisqu'on en compte actuellement moins de 400 $. En 2017, un échantillon de MS69 a été vendu pour 3 525 $ chez Heritage Auction. Cet échantillon avait l'apparence d'une épreuve, cependant, il n'a pas été frappé sur une planchette pré-brillée. La valeur des trimestres 2000 P dans le Massachusetts est d'environ 3 $ en état de circulation, bien qu'ils coûteront bien plus que cela en état neuf et non circulé. Il a été frappé à 628 600 000 exemplaires et un échantillon de qualité MS69 a été vendu pour 3 760 $ chez Heritage Auction. Le quartier de Virginie 2000 P a été frappé à 943 millions d'exemplaires et il s'agissait du dernier trimestre de l'année 2000. Ils ont été fabriqués en plus de 900 millions de quantités, ce qui signifie que vous ne devriez avoir aucune difficulté à en trouver un en circulation. En 2022, un MS68 2000 P Virginia Car classé a été vendu pour 400 $ sur eBay. 2000 valeurs du trimestre D. Les quartiers 2000 ont été frappés dans différents états, et la seule façon de les distinguer est leur marque d'atelier. La monnaie de Denver a produit pièces 2000 dans 5 états, Maryland, New Hampshire, Virginie, Caroline du Sud et Massachusetts. Les quartiers Maryland 2000 D ont été frappés à 556 532 000 exemplaires et, dans un état haut de gamme, ils peuvent coûter jusqu'à 240 $. Cependant, dans un état de circulation moyen, cette pièce ne vaut qu'environ 4 $.
En 2021, un Cartier Maryland 2000D classé MS68 a été vendu pour $250 sur eBay. 495 976 000 pièces de monnaie ont été frappées dans l'atelier de Denver du New Hampshire. Le concepteur principal de cette pièce est John Flanagan et Williams Cousin, tandis que le revers a été conçu par Williams Cousin. En circulation, ils valent rarement plus que leur état initial, et c'est parce qu'ils ont perdu leur attrait. Vous ne pouvez vendre cette pièce à un prix plus élevé que si elle est en parfait état. Les Cartier 2000D du New Hampshire classés MS65 sont évalués à $4, mais aux enchères, les Cartier 2000D en état premium se vendent environ $675. En 2018, un échantillon du New Hampshire 2000D était évalué à $780. En Virginie, un total de 651 616 000 pièces de monnaie ont été frappées à la monnaie de Denver. Dans un état non circulé, MS65, la valeur de cette pièce est d'environ $5. En 2004, chez Heritage Auction, un 2000D Virginia Car classé au 55 a été vendu pour $1610. La valeur d'une pièce de Virginie 2000D de grade MS68 est de $950. En Caroline du Sud, un total de 566 208 000 cars ont été frappés à Denver. Dans MS60 et MS65, le trimestre 2000D de Caroline du Sud est évalué respectivement à $6 et $4. En 2003, cette pièce de qualité MS63 a été vendue pour $2990 chez Heritage Auction. Le trimestre 2000D du Massachusetts n'a pas beaucoup de valeur, sauf dans des conditions premium telles que MS63 est supérieur, et il a été frappé à 535 184 000 exemplaires. À l'état neuf, il ne vaut que sa valeur nominale et les collectionneurs de pièces de monnaie peuvent acheter un roll neuf pour sa valeur nominale uniquement. Pour les trimestres 2000D du Massachusetts classés MS68, ils peuvent se vendre à $100 ou même plus, bien qu'ils soient très rares à trouver. En 2018, un Cartier 2000D Massachusetts a été vendu $400 sur eBay. Classement du trimestre 2000. Il est important de connaître la méthode exacte utilisée pour noter votre trimestre 2000, car c'est ce qui détermine si vous obtiendrez une somme d'argent importante ou simplement la valeur nominale de votre pièce. Le problème avec les 2000 cars, c'est qu'ils ne valent une prime que lorsqu'ils sont en parfait état, voire moins, et vous aurez presque une pièce sans valeur entre vos mains. Si vous trouvez un trimestre 2000 dans votre maison et que vous souhaitez en déterminer vous-même la valeur, vous pouvez jeter un œil à la vidéo. Cependant, si vous estimez qu'il est en parfait état, vous devrez peut-être le confier à un évaluateur de pièces réputé pour le faire évaluer. Liste d'erreurs rares du trimestre 2000. Lorsqu'il s'agit du trimestre 2000, les pièces d'erreur prennent toujours la tête. Il existe de nombreux types de pièces d'erreur de 2000 quarts d'erreur que vous pouvez trouver en circulation aujourd'hui, et certaines valent la peine d'être conservées car vous les vendrez à un bon prix. Jetons un coup d'œil à quelques erreurs du trimestre 2000. 1. 2000 erreurs d'alignement de la matrice P Virginia Car. Lorsque les matrices utilisées pour frapper une pièce pendant le processus de frappe ne sont pas correctement alignées, cela peut entraîner une double image sur le dessin de la pièce. Cette erreur est considérée comme mineure et vaut environ $1250. 2. 2000 P erreurs de double frappe du car du New Hampshire. Cette erreur se produit lorsque la pièce est frappée deux fois par les matrices, ce qui fait que les images de la pièce résultante se chevauchent. Les pièces sont généralement frappées dans un alignement tête-bêche à 180 degrés, cependant, le plancher peut se déplacer entre les frappes, ce qui entraîne une erreur de pièce. En raison de ce décalage, il y a généralement une double image sur le revers et le revers de la pièce. Un trimestre 2000 P New Hampshire avec cette erreur est évalué à $1200. 3. 2000 d'écart de Caroline du Sud avec 9 frappes. Au cours du processus de frappe, les pièces sont généralement frappées 3 fois pour garantir que chaque détail soit correctement reflété. Cette erreur s'est produite lorsqu'un morceau d'aluminium vierge a été accidentellement introduit dans la pièce et frappé 9 fois par les matrices. La pièce résultante avait une apparence très distincte et visible et valait $3200, voire plus. Le trimestre 2000 est-il considéré comme une pièce rare? Non, ce n'est pas. Plus de 6 milliards de pièces de car ont été frappées et elles étaient correctement en circulation,